Nous devons aujourd'hui avoir ensemble le courage d'ouvrir une nouvelle étape. Nous le devons à l'Europe elle-même, car nous n'avons au fond pas compris pleinement le moment que nous vivions. Nous le devons à tous ceux qui, durant les 7 dernières décennies, ont bâti cette exception qu'est notre Europe. Ici, les règles créent la confiance et l'adhésion. De notre côté du Rhin, elles ont souvent engendré la méfiance et trop souvent l'art du contournement. Car notre monde se trouve à la croisée des chemins. Soit il choisit de se ruer comme il l'a déjà fait, dans le précipice de la fascination pour la technique sans conscience, pour le nationalisme sans mémoire, pour le fanatisme sans repère. Si nous voulons garantir à nos concitoyens que nous nous mettons en situation de les protéger face aux nouveaux risques, et de choisir notre avenir, il nous faut être plus souverains en Européens. Ce combat n'est pas gagné. Il ne sera jamais gagné.